Hey, Tu restes jusqu'au bout, il y a un concours. Tu vas rester. J'ai vu que t'avais cliqué. Tu t'en vas déjà? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo news concours. Déjà pour commencer, je voudrais m'excuser auprès des viewers qui ne me suivent que sur YouTube parce que pour le coup, vous avez raté plein de choses. Déjà, je pense que vous avez raté le fait que je fais des lives sur Twitch. Ces lives sur Twitch que j'apprécie énormément, où on commence à avoir un public régulier et donc une ambiance assez familiale. C'est très sympa si vous voulez venir me voir. Ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas morte, c'est peut-être l'impression que ça donne parce que je suis moins présente ici, mais je fais beaucoup de choses sur les lives. En général, je live une à deux fois par semaine, donc si vous avez la possibilité, allez vous abonner sur Twitch, comme ça vous recevrez des mails quand je fais des vidéos. En général, je fais des annonces sur Twitter quand je fais un live aussi également, donc si vous me suivez sur Twitter, vous avez la possibilité de me retrouver là-bas directement. Et je fais des petites vidéos très courtes en fait, il va y avoir beaucoup de découpage parce que mon téléphone est en train de déconner et que c'est le seul moyen que j'ai pour filmer des vidéos. Voilà, donc j'essaie de... C'est pas moi que je regarde, je vous rassure, je suis en train de regarder le timer en fait, voir si je dépasse pas trop. Donc, nous avons parlé des lives sur Twitch, maintenant nous allons parler du fait que j'ai instauré un Tumblr participatif. Donc ce Tumblr participatif, vous avez la possibilité d'y proposer des gifs pour le Tumblr, vous avez la possibilité d'y proposer de la musique pour les lives, et vous avez également la possibilité d'y proposer vos fanarts, parce que vous commencez à être pas mal à m'en faire, et en fait la politique Facebook me plaît pas, donc je préfère faire ça sur un Tumblr. Sachant que j'ai déjà un Tumblr qui s'appelle quandjesuisyoutubeur.tumblr.com. Donc si vous avez des propositions à faire, vous allez sur ce Tumblr, vous cliquez en haut à gauche, et vous verrez, il y a un petit menu déroulant qui vous propose soit de me poser des questions, soit de me proposer directement des articles ou ce genre de choses. Vous avez toujours la possibilité de me proposer tout ça sur mon adresse mail qui est kpmhblog@gmail.com. Vous aurez tout dans la description, je vous rassure. Je fais une petite pause vidéo. Si vous êtes récurrent sur les lives, vous avez remarqué que nous avons un système de donation que je trouve beaucoup plus légitime dans mon cas. C'est-à-dire que à la base, les gens me disaient « Ce serait bien que tu fasses un Ulule ou que tu fasses un Tipeee, comme ça tu auras ton gratos plus vite », ce genre de choses. Je ne trouvais pas ça légitime, je ne trouvais pas ça juste parce que je n'avais pas de contrepartie à vous proposer. Du coup, je suis partie sur les donations Twitch Alert. C'est-à-dire que c'est une donation PayPal. Vous la faites si vous le voulez. Et en récompense, vous avez des lives où on se marre bien, où on fait du jeu vidéo, où on discute avec des gens, où on discute entre nous, où on crée des liens, où on parle des futurs projets, où on parle également de la lumière qui fait n'importe quoi, où on parle également de ce qui va se passer sur les prochaines conventions, ce genre de choses, etc., etc. Donc si vous avez envie de participer, sachez que moi je mets de ma poche de mon salaire qui est de 749,17€, je mets 200€ par mois dans le matos. Donc si vous avez envie de voir évoluer la chaîne rapidement, vous pouvez toujours dans la barre d'infos qui se trouve juste en dessous. Participer au don. Je suis très mal cadrée, j'ai fait de la merde. Sinon vous pouvez apercevoir derrière un magnifique décor qui commence à se constituer. Je commence évidemment à constituer les décors pour les émissions qui vont venir. Voilà. Donc on parlait juste avant du fait que nous allions avoir les nouvelles émissions bientôt. Pour avoir les nouvelles émissions bientôt, il faut évidemment que j'ai mon matos. Pour avoir ce matos, vous pouvez faire des dons, je l'ai déjà dit. Pour vous rappeler ce qu'il va y avoir sur les chaînes, vous allez avoir du divertissement et du culturel. Du culturel orienté jeux vidéo, du culturel orienté qu'est-ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire du cinéma, des sorties, des hobbies, enfin plein de choses. En fait, j'essaye vraiment de faire de nos chaînes, parce que je ne suis pas seule dessus et que vos propositions sont importantes, j'essaie de faire en sorte que nos chaînes deviennent des chaînes de découverte culturelle, tout simplement. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous savez qu'il y aura le Pop Sculpture qui parlera de vocabulaire de jeux vidéo. Vous
adorez également les What the Fuck Dreams qui sont clairement à votre disposition. Je vous rappelle que pour participer aux What the Fuck Dreams, il faut faire le plus concis possible. C'est-à-dire que quand vous m'envoyez vos participations aux What the Fuck Dreams, parce que j'en ai eu beaucoup, vous m'envoyez des pavés. Et les pavés, je ne les prends pas. Ça ne sert à rien. En fait, vous réfléchissez trop, vous analysez trop vos rêves. Ce que je veux sur les What the Fuck Dreams, c'est que vous m'expliquiez votre rêve comme vous l'avez pensé au réveil. C'est-à-dire, waouh, c'est un truc de fou. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais un poney et que je gambadais dans la prairie et d'un coup, j'avais des ailes et je m'envolais, je devenais un avion. Voilà. Pas plus loin que ça. C'est tout ce qui est marrant. C'est tout ce qui est fun. C'est tout ce qui est un peu loufoque. C'est ça qu'on veut. Vous embêtez pas à réfléchir, on n'est pas chez Freud, hein, on fait pas des trucs de fou. C'est vraiment juste du divertissement, c'est des vidéos courtes à regarder le matin avant d'aller travailler. Donc si vous avez des participations, n'hésitez pas toujours à te kpmhblog@gmail.com. On arrive sur la partie convention, et bien figurez-vous que la Capicon, j'y vais pas. Je vais y aller, mais finalement j'y vais pas, tout simplement parce que ça me fait quand même économiser à peu près 300€, et que 300€ de plus à mettre dans le matos, bah c'est 300€ quoi. Donc en sachant qu'un 700D boîtier nu c'est à peu près 500 balles, et que l'optique... Mais c'est n'importe quoi le soleil aujourd'hui, je suis désolée, je deviens transparente quoi. Une optique 50mm ou 30mm à focale fixe, ça aussi entre 99€ et 200-300€ selon la qualité de l'optique. Donc voilà, ensuite il faudra évidemment acheter des éclairages pour pallier à ces soucis de soleil qui fait n'importe quoi. Donc la Calicon, tant pis, si vous avez la possibilité d'aller à la Neocast à Strasbourg plutôt que la Calicon, bah, de toute façon je pense pas que vous auriez été très nombreux à vous déplacer pour moi la Calicon. Panda y va toujours, il y aura Ginger également, il y aura Alex Click, enfin il y aura plein de monde. Donc n'hésitez pas à aller les voir plutôt que si vous veniez pour moi. Cela dit, la prochaine fois que j'aurai la possibilité d'aller à Nantes, j'irai parce que Nantes est une ville qui me botte. Et il paraît qu'il y a beaucoup de musées très sympas à voir et que la ville est vraiment en expansion et que ça bouge et que ça vit. Donc je serais vraiment intéressée pour aller à Nantes, seulement ça se fera pas tout de suite. Voilà. Pour la Neocast, on vous a prévu un panel de divertissement qui, ma foi, me semble suffisamment intéressant pour que ça vaille le coup d'œil. Donc, tout simplement, le samedi, on a la fucking Panda Hip Hop, c'est-à-dire que vous allez nous poser des questions, on va y répondre, on va rigoler, on va discuter, on va prendre le thé et on va vous faire gagner des petits goodies. Sachant que sur les stands, nous avons prévu des sessions à peu près toutes les 2 heures. Sur notre stand à moi et Panda, toutes les 2 heures, vous avez la possibilité de participer à des défis. Donc des défis jeux vidéo, évidemment, hein, sur un ordi portable qui est à moi et dont on prendra soin. Tout le monde mettra une petite lingette sur ses doigts pour pas salir mon ordinateur de travail. On vous fera participer à des défis et celui qui fera le meilleur temps, celui qui fera le meilleur score, celui qui fera blablabla sur la séance de 2 heures, gagnera un goodie. Ensuite, le dimanche, nous avons le JPF Live avec François Torel et Patrick Beau. C'est-à-dire qu'il y aura donc moi et Panda, les deux andouilles, et Patrick et François, les deux mecs pro. Donc ça risque d'être assez rigolo. Voilà, c'est à voir, je pense, pour les conférences, ça risque d'être vraiment stupide. C'est là que ça se complique. Pour gagner votre passe entrée week-end complet à la Neocast, César le messager et Katharina, je ne sais plus, je crois que c'est Greenberg, Kat, ton nom de famille est trop compliqué. Les organisateurs de la Neocast m'ont offert un pass 2 jours complet d'une valeur de 30€ à vous faire gagner. Donc, vous êtes gentils. Si vous participez, s'il vous plaît, soyez sûr de pouvoir venir. Mineur ou majeur, c'est pas un problème. Le problème, c'est si vous êtes mineur, je ne peux vous payer qu'un seul pass. Le pass de vos parents, ou le pass de vos amis, ou le pass de vos accompagnateurs, je ne peux pas y mettre de ma poche. Simplement, la seule chose que je vous demanderais, c'est d'être sûr de pouvoir venir si vous participez. Parce que ça m'embêterait de faire gagner un pass à quelqu'un qui ne se déplacera pas finalement. Voilà. Donc, pour faire simple... pour participer, vous devez être abonné à cette chaîne. Vous devez également partager la vidéo le plus possible, évidemment. Si vous voulez la partager qu'une seule fois, ça me suffit. Si vous en avez envie, vous pouvez liker
La page Facebook de la Néocast, ça ferait plaisir à César. Coucou César. Et vous commentez avec le lien du partage, si possible, évidemment, si vous avez partagé la vidéo et que vous avez la possibilité de me le faire savoir. Par exemple, si vous l'avez partagé sur Twitter, vous me taguez dans le partage de la vidéo. De toute façon, normalement, ça se fait tout seul sur Twitter, donc ça devrait aller. Donc, pour faire simple, vous abonnez à la vidéo, vous partagez la vidéo, enfin, vous abonnez à la vidéo, vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo et vous commentez sous la vidéo YouTube en me disant que vous avez partagé la vidéo. Si vous avez la possibilité de me mettre le lien du partage, vous le faites. Si vous en avez pas la possibilité, c'est tant pis, on vous fera confiance, on dira que c'est d'accord. Et puis après, moi j'ai eu un petit rototo. Après moi, je m'attellerai à faire un tirage au sort des commentaires YouTube, voilà, pour vous faire gagner ce superbe pass de jour. Alors attention par contre, si vous participez, je ne tirerai au sort que les commentaires YouTube. Je n'irai pas sur Twitter, je n'irai pas sur Facebook, je n'irai pas voir ma boîte mail. Vraiment, si vous participez, commentez sur YouTube, soyez sympa, faites-le. Et puis, dans tous les cas, vous savez où me retrouver maintenant, il y a les lives, il y a Twitter, il y a Facebook. Enfin, je pense que vous savez où me trouver sur la toile, il n'y a aucun souci là-dessus. Et si vous aimez les lundis indés, je vous conseille de ne pas rater celui de ce soir parce que vous risqueriez d'être un petit peu triste ou un petit peu déçu. Voilà. On se dit à bientôt. Salut les gars.